bienvenue à cette grande ouverture de cette nouvelle émission, c'est Vinka et... Lolita. Yes, on est ravis de vous accueillir ce soir pour cette toute nouvelle émission. Vous avez vu, la petite veste est là, bien sûr, bah faut représenter mine de rien, donc on essaye de représenter au maximum. Merci Eva, merci infiniment pour le partage, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Oui Lolita, on n'est pas des grands cons. Bah d'ailleurs je vais saluer tout ce petit monde. Salut Keva, s'invité. Petite Lita, tu es juste à côté de moi. Salut Eva, Léo. Salut également à Mathieu aussi. Et c'est bon, c'est tous ceux qui ont réagi sur le chat. Merci d'être au rendez-vous pour cette grande émission que j'avais hâte de faire. Alors, question pour un grand con. En effet, vous êtes bien. Alors attention, il y a des belles animations. On est bien sûr. Mais oui, question pour un grand con, présenté par votre présentateur favori, Vinka. Bon voilà, on s'est un peu éclaté pour les animations. Alors juste une chose avant de commencer ce grand jeu, une petite chose assez importante. Si tu es fan comme moi d'une certaine radio, et je dirais même comme radio... Ah bah non, s'il y a l'animation en même temps, ça va pas le faire. Merci invité, merci du partage. Alors je disais, en effet, si vous êtes fan de cette radio-là, de Skyrock Radio, vous savez que cette émission est déjà présente sur Skyrock. J'ai pas copié, parce que j'aime pas le terme copier. On va dire plutôt que je me suis inspiré, comme a très bien dit Kevas. Je me suis inspiré de cette émission, bah, nous aussi on veut s'amuser. Donc d'avance, si un jour Diffoul, Romano, Karim, Cariole, Marie ou n'importe qui voit de la Team Skyrock, voit cette émission, nous en voulez pas, nous aussi on veut s'amuser. Copyright, non vous inquiétez pas, il n'y a pas de copyright. Merci Mirage, merci pour le partage, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. J'ai hâte aussi, merci Eva, Mathieu aussi il a hâte. Désolé, ma radio que j'écoute c'est RFM, ah, chacun son truc. Alors déjà, on va saluer les participants, comme ça on va pouvoir expliquer un petit peu bah, comment ça va se passer ce fameux jeu, mine de rien. On va saluer les participants, alors tout d'abord nous saluons notre participant, Kevas. Bonjour Kevas. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, là on t'entend, c'est bon, t'inquiète pas, on t'entend bien, y a pas de soucis. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez, je prends mon cœur de grand rôle à con en fait. Enfin, c'est bien comme ça, c'est du merde. Attends, tu n'es pas encore élu grand con, peut-être que tu n'y seras pas justement, tu n'y seras peut-être pas. D'ailleurs, bon bah bonjour. Voilà, premier candidat, Kevas, on peut l'applaudir. Kevas est là, Kevas se représente. Et notamment, on a entendu un autre participant, il s'agit de Mirage. Il a pris son haut-parleur, il a pris son haut-parleur. Ça m'a amusé. Ouais, et ça va, Mirage? Il est avec son parleur. C'est clair. Mais tu ressors de la manif ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il nous avait fait perdre 2 points d'audition. Eh ben justement, on l'entend. Le troisième participant, il s'agit de invité. Comment vas-tu invité? Non mais attends. Tu demandes d'applaudir plus fort, mais il y a que des vieux dans le public. C'est question pour un grand con. Tiens, je crois qu'il y en a même un retardataire. Ah, il y a un retardataire, en effet, c'est bien ce qui me semblait. Il est content, il a fait sa blague, il est content. Eh ben oui, je suis content, il a fait sa blague de merde, il est content. Moi, c'est j'écoute pas la radio, dit Mathieu. Mais faut écouter la radio, Pierre Cross a fait aussi. Ah, Pierre Cross a fait aussi ce principe-là, ça me surprendrait pas en même temps. Bonsoir, Adrien. Voilà, Adrien pour les intimes, on va dire. Donc, mesdames et messieurs, on a les candidats. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à... On a les lumières. Question pour un grand con. Bonjour. 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 Alors, je vous explique, pardon, le principe. Rêve du jeu.
Les règles du jeu. C'est très simple. On va poser tes questions de culture générale, de niveau CM2, 6e. J'ai perdu. Mais non, vous inquiétez pas. on va poser tes questions. Je vais les poser. Vous avez juste à crier votre pseudo. Et dès lors que vous criez votre pseudo, je m'interromps immédiatement. Vous criez, quoi. Oh. Ouais, non, mais vous parlez si vous préférez. Bonjour. Vous, pas avec le mégaphone. Moi, dès lors que vous criez votre pseudo, je m'interromps, même si j'ai pas fini la question. Vous pouvez crier avant la fin de la question, il n'y a pas de souci, ok? Par contre, vous n'aurez pas la suite de la réponse, enfin de la question, pardon. Si vous échouez, vous n'avez plus le droit de parler, c'est aux autres de parler, ok? En disant votre nom. Bonjour. En disant votre nom, bien sûr. voilà, bel exemple. Pour le coup, c'est le premier arrivé à 7 points qui sort du jeu, donc du coup, qui ne sera pas grand con, pour le coup. Et celui qui n'atteindra pas les 7 points sera élu grand con. Par contre, chose particulière, très particulière, il aura le rôle sur le Discord de grand con. Merde. Oh merde. Eh oui, dans quoi tu t'es embarqué, tu n'aurais peut-être pas dû. Tu auras le rôle, le gagnant aura le rôle de grand con, il remportera le titre suprême, et pendant les lives, s'il est invité, bien sûr, on le charriera, on se moquera un petit peu de lui, mais attention, tout ça est à prendre au second degré, bien sûr, on ne le pensera pas directement. On est d'accord ? Et petite question par rapport à la prochaine émission. Comme tu as dit, j'ai vu dans le règlement qu'il est obligé de revenir, par contre. Voilà, exactement. Celui qui aura le titre suprême de grand con aura l'obligation de revenir pour défendre son titre. Putain, si le mec il est vraiment con, il n'aura pas de chance, il sera abonné à vie. Hein. Il peut être grand con à vie, j'en sais rien. Oh merde. Alors, petite info. Vrai, il y a une décharge, je suis une balle. Une émission de TF1, question pour un grand con, amené par Vika. Le détonneur petite antique, info, alors attention. Petite info, les gars, attention. On a un arbitre officiel ce soir, puisqu'il s'agit de Lolita, la régie. C'est elle qui va nous dire qui a crié son nom en premier. Et vous aurez 5 secondes pour répondre. Et je serai impartiale. Elle sera impartiale. Et vous n'avez pas le droit de discuter. Oh là là. Et vous aurez un petit message à dire. Alors, attends. Mirage, il y a Kevas après. D'accord, ok. Vous n'aurez pas le droit de discuter les décisions de l'arbitre. Et attention, quand vous répondez, vous avez 5 secondes, je veux pas de baragouina, gnagnagna, je réfléchis ou quoi que ce soit, patati patata, ou de bug de micro. Tout ça n'est pas accepté. Ok. Je sens que je suis trop gentil, moi, tu sais, je vais pas dire mon nom, je vais bien attendre la fin, tu sais. Il va être grand coup. Il va attendre 4 secondes, là, il va dire la réponse. Oh, super ce jeu, je sens que je vais aimer. Ah, bah si vous aimez, c'est cool. Salut Machine Gun, bienvenue à toi. Et Mathieu, il a dit, et si on peut pas être là, la fois d'après? Et si on peut pas être là, bah non, vous avez l'obligation d'être là, vous n'avez pas le choix. Sinon, faut pas participer. Il faut être là, voilà, sinon faut pas participer. T'es dans un bateau, je m'en fous, tu le fais. Il faut être là. Après, bon, si vraiment il y a un imprévu, il pourra être représenté ou quoi que ce soit. Il y a pas de souci. Salut Ryan, salut à toi. Et du coup, j'ai un message Vas-y. Pour l'Antarctique. Déjà, vas-y. Ah bah. J'ai un message de la part de pour Mirage et Kevas. Merci de ne pas faire Xavier au 12 coups de midi. Ah ah, mais ils vont peut-être faire Xavier. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Je ne sais pas, bah, c'est un grand gagnant en fait, les 12 coups de midi. Bah, non, parce que le gars, il répond à quasi toutes les questions. Il attend même pas la fin de la question pour répondre. Ah, mais oui, mais hey, là, c'est dans le jeu. Hein. S'il a envie de tenter, il tente le mec. Il n'y a pas de problème. Oui. Putain, moi qui pense que c'est sur chacun son tour. Ah, quelle tristesse. Non, c'est un jeu de rapidité. Et à la fin, quand on aura la première personne qui sera arrivée à 7 points, on aura notre duel final, en fait. Et on verra qui remportera le beau titre de grand con. Ça roule pour vous, pour les règles? Est-ce que les règles, ça roule? Alors, déjà, vous devez. Merci, Kinox. Salut à toi, mon Kinox. Bienvenue. Alors, bien entendu. Pour crier son pseudo, faut-il savoir son pseudo? Keva, quel est ton pseudo? Bonjour. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Keva, quel est ton pseudo? Invité. Non, toujours pas, c'est la décadence. Dernière chance, Keva, quel est ton pseudo? Keva. Correct, c'est bien. Invité, quel est ton pseudo? Moi, j'ai échoué quand même. Ah, invité. C'est bien, il est réactif, dis donc. Invité qui? Invité, l'invité. Et Mirage, quel est ton pseudo? Mirage.
Très bien. Je vais juste dire ça parce que si je le disais complet, ce serait crochet, gorille, tiré du bas, thunder. Non, bah non, non, peut-être pas, non, non, peut-être pas. Alors quand même, ils sont quand même très forts. Juste avant de commencer, on peut les applaudir une dernière fois. Ils savent leur nom, c'est déjà bien. Ils savent leur nom. Bon, vous n'avez pas marqué de points. Vous n'avez pas marqué de points, bonjour, les mecs. Hein. Bonjour. Ça commence mal pour EMDR. Bah, c'est à peu près ça. Alors, bien sûr, sur le chat, vous pouvez jouer, vous pouvez répondre. Ils ont l'interdiction de regarder le chat. Ils peuvent peut-être noter aussi leurs points. Pour le moment, et vous pouvez noter pour le moment, vos points. Moi, je suis sur le chat. Bah, pour le vous moment, aurez je suis sur l'interdiction. Le chat, mais je vais l'enlever après. Du coup, lui, t'en as. Je mettrai un bon écran après moi. Alors, attention. Est-ce que. Un bon écran, tu vas voir le chat box. Oui, non, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts? Non, non, attends, il y a Lolita qui a dit un truc, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Ah, vas-y, Lolita. Tu as noté quoi? Non, j'ai dit pour le chat, ils peuvent doter leurs résultats, puis pour le dire à la fin, ah, s'ils veulent. Voilà, exactement. Okay. Est-ce que tout le monde est prêt? Non. Bah, tant pis. Ah, mais ce soir. Ouais. Mais t'as mis... Alors, c'est parti. Du coup, si, du coup, oui, si je mute les deux autres et qu'ils, du coup, ils disent pas leur solo, ça va? Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit, mec. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Alors, vous êtes prêts? C'est parti pour... Question pour un... Grand con! Le suspense est en succombe. Présenté par Vinka, votre serviteur. Merci à tous, merci, merci. Assisté par Lolita. Alors, attention! C'est bon, invité. Attention, écoutez-moi bien. Première question. Une question science. Quel composant de l'air l'être humain absorbe-t-il pour respirer? Invité. Mirage. Invité. Invité, invité, on t'écoute. L'O2. Correct! Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo. Un point pour invité. C'est juste une question de rapidité, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les deux autres, hein, je vous précise une chose, le jeu a commencé. Ah ouais, mais non. Ah oui, je vous jure, je vous jure. Mais il y en a qu'un qui a pas dit son nom. Eh ben, c'est planté, CO2. Non, c'est pas ça. C'est non, parti CO2, pour non, c'est GP, pas bon. GC. Non, c'est l'inverse. Ah, salut Dorian. Salut Dorian, bienvenue à toi. On l'avait pas déjà salué, Dorian? Je croyais qu'on l'avait salué. Bon. Question numéro 2, attention. Question informatique. Oula. Quelles sont les couleurs du logo Windows? Mirage. Il y a Kevas. Ah, bah, c'est Mirage qui a répondu en premier. Mirage. Hein. Mirage. Ouais. Mirage. Ouais, t'as 5 secondes. Rouge, bleu, vert, jaune. Est-ce que c'est ça, Lolita? Oui, c'est ça. Bravo. Google non plus. Alors, je, oui, là, moi, alors, je ne savais pas du tout ça. Non, oui, ah, y a, vous allez discuter sur le orange et rouge, je suppose. Toi, tu avais mis orange, mais c'est pas orange. Bah, en fait, il y a un dégradé. Moi, je dis que c'est faux. Déjà. Pourquoi? Il est bleu. Pourquoi? Parce qu'il est bleu maintenant. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, l'ancien, si vous préférez, l'ancien, oh, c'est bon. Il est même devenu blanc maintenant aussi. Oui, c'est vrai, il est devenu blanc. Il est devenu blanc, oui, en effet. Oui, il est devenu blanc, il est devenu rouge. J'ai un point pour moi, hein, quand même. MDR, je me suis planté. Non, 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 t'as pas de point, c'est l'arbitre qui décide. Du coup, on est invité 1 point, Mirage 1 point, Kevas 0 point. Bravo, Kevas. Bravo. Allez, question suivante. Question géographie. Dans quel pays se trouve la ville de Bristol? Invité. Invité. Et les États-Unis. C'est pas ça. Je l'ai tenté. Mirage. Mirage. Je dirais l'Angleterre, mais j'ai peur de me tromper. Et c'est... Correct, c'est bien l'Angleterre. Bravo, bravo, bravo. Let's go. Elle était pas facile, celle-là, elle était pas facile. Mirage à 2 points. On a perdu Kevas, ah, ça me oui, mais Kevas, en fait, Kevas, c'est toujours là ou pas? Bah oui, mais je sais pas. Je vais pas dire la France, hein. Bon, ok, alors, prochaine question, tu vas pouvoir te rattraper, j'en suis sûr. Tu as pas dit bonjour à Léo. Salut, Léo numéro 2, c'est vrai, je t'avais pas vu. Excuse-moi. Vous savez, on est dans l'ambiance du jeu. On est dans l'ambiance du jeu. Allez, prochaine question, une question logique. La mère de... Alors, écoutez bien. La mère de Kevas a 4 enfants. Ils ont des noms bizarres, puisqu'ils s'appellent Nord, Sud, Est et... Invité. Invité. Ouest. C'est mon premier. Hein. Kevas. Kevas, 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 Kevas. Correct. Mais oui, la mère de Kevas a 4 enfants. Nord, Sud, Est et Kevas. Oh, le bâtard.
Ah, il y a Kinox qui avait trouvé. Ouais, Kinox avait trouvé. Mathieu bravo, aussi. Bravo. Non, Dorian, il Dorian West. Ouais, mais non. Mais écoutez bien les questions. Ok, question suivante. Alors attention. Et en plus, cette question-là, elle est pour toi, mon Kevin. Oh, bah, clair. Clairement. Question politique. Ouais, j'ai l'impression qu'un invité, quand il parle, en fait, on m'entend pas, tu vois, parce que je dis mon pseudo. C'est vrai. Que... Avant invité, ce qu'il a parlé, et du coup, on m'a pas entendu. C'est vrai que j'ai eu l'impression aussi. Alors on va attends. Le baisser, attends. On va corriger le problème immédiatement. On va baisser. De toute façon, il s'est loupé, invité. Tu sais. Ouais, puis s'est loupé, oui. Donc heureusement. Oui, mais bon, il se serait pas loupé, j'aurais eu le seum. Oui, j'avoue. Et on va t'augmenter, mon Kevin, comme ça. Je vais dire que je parle pas, mais. Voilà. Là. Attends, fais un test. Dites tous les deux votre nom. Ouais, allez-y. Kevin. Ouais, on entend les deux, là. On entend les deux. Ouais, là, on les entend bien. Ok. Allez, vous êtes prêts pour la prochaine ? Et j'ai dit que c'était pour toi, Kevin, ça, la prochaine. Hein. Ouais. Question politique étrangère. Qui était le président des États-Unis après Bill Clinton ? Kevin. Kevin. Ah, George W. Bush. Oui ! Oui ! Bravo ! Bon, je passe le grand con, là, maintenant. Il m'a dit bonjour tout à l'heure. Ça, Obama, c'est des questions a... bien diverses, MDR. Il n'y a pas d'Autriche, je serais tellement mauvais. Oh, mais non, pas Obama, Dorian. Dorian, il a dit Obama. Mais non. Mais non. Trumpinou. Trumpinou, mais non, mais non. Alors, en effet, pour l'instant, invité, t'as un point. Les deux autres ont deux points. C'est serré, hein, c'est serré. C'est pas mal, ça. Il m'a déjà rattrapé, le salaud. Alors, attention. Ah, ça va être marrant. Question charade. C'est une charade. Vous devez deviner ce que je vais dire. C'est une charade. Vous êtes prêts ? C'est quoi, c'est une ? Une charade, c'est en fait, je vais dire... Mon premier, nanana. Mon premier est nanana. Mon deuxième est nanana. Et mon tout est quoi ? Oui, c'est une espèce d'énigme. C'est ça. Soyez très concentrés. Ouais, attentif, ouais. Mon premier se trouve au milieu du visage. Mon deuxième est un métal. Mon troisième est un célèbre canari que Gros Minet aimerait bien manger. Mon tout a été une reine d'Égypte. Invité. Oui, invité. Je crois que... Cléopâtre, je pense pas. Oh. C'est pas Kevas. Ça. Kevas. Kevas. Nefariti. Salope. Oui. Salope, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir, en effet. C'est bien, Nefariti. Au milieu du visage, il y a clé. Alors, en effet, si je décris tout, mon premier se trouve au milieu du visage, le nez. Mon deuxième est un métal, le fer. Mon troisième est un célèbre canari que Gros Minet aimerait bien manger, Titi. Nez, fer, Titi. Mon tout est une reine d'Égypte. Ils l'ont. Kevin, c'est en sueur, on nous dit, Mathieu. Mathieu, il donne ses points au fur et à mesure. C'est clair, il est chaud. Alors, vous êtes prêts pour la prochaine question ? Non. Dommage, elle va quand même avoir eu lieu. Question mathématique. Oula. Mister Nouton me donne 6 moutons de sa bergerie. Il en reprend 2 et m'en redonne 4 autres. Combien de moutons j'ai ? Invité ? 8. Correct, bravo ! Ça y est, invité. Encore en train de... Je pense qu'en fait, le fait d'entendre Mister Nouton, ça a troublé Kevas. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Ça l'a troublé, en fait. Ok, question très simple. Très, 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 très simple. Ouais, là, il faut aller vite. Hein. Là, c'est faut rapidité. Si vous savez la réponse avant que je termine la question, allez-y. Hein. Question géométrie. Pour tracer un angle droit, quel outil scolaire... Invité. L'équerre. Oui, c'est bien l'équerre, en effet. La question était entièrement pour tracer un angle droit, quel outil scolaire je dois utiliser ? Bien évidemment, c'est l'équerre. Oui, bah, tout le monde aurait eu le temps de répondre 4 fois. Quoi. Oui, bah oui, c'est clair. Alors bah, attention, nouveau style. Bravo dans le chat. Hein. Ouais, bravo sur, attends, dans le chat. Veut, bravo. Il veut un point sur les points. Ah, il veut un point sur les points. Bon, bah un point sur les points. Allez, c'est parti. Invité, 3 points. Que... Mirage, 2 points. Kevas, 3 points. C'est hyper serré. C'est clair. Je pensais pas que ça aurait été si serré, franchement. Du coup, la prochaine question, c'est une question assez particulière, un thème que j'ai plus ou moins inventé, en fait, au moins le terme, c'est les questions Hunger Games. Qu'est-ce que c'est que les questions Hunger Games ? Là, le premier qui va crier son pseudo devra répondre en premier, et après on va faire un cycle, alors un cycle, voilà, invité Mirage Kevas, si c'est Kevas qui répond en premier, bah du coup ça ira invité après, Mirage, faut répondre chacun votre tour. Vous n'avez pas le droit de dire la même réponse que votre collègue. Bah, tu dis le pseudo à chaque fois pour être... D'accord. D'accord.
Donc, question. En gros, si j'ai bien compris, attends, si j'ai bien compris, il dit la bonne réponse, on est tous baisés, quoi. Non, bah non, parce qu'il y a plusieurs bonnes réponses. Bon, mais toi, premier... faut pas que tu dises pareil. C'est le premier qui ne sait plus. Voilà, le premier qui sait plus, Lolita compte bien. Attention les secondes, parce que là, ça sera décisif. Faut que tu dises bien les pseudos à chaque fois. Ouais, ok, d'accord, ouais. Sinon, ils vont dire dans le désordre. Alors, question Hunger Games, vous êtes prêts? Ouais. Citez-moi, chacun votre tour, un site de vidéo pornographique. Kevas. Invité. Kevas. YouPorn. Ok. Putain. Invité. J'en ai pas, enculé. 5, 4, 3, 2. YouTube. Quoi, t'as dit quoi? YouTube. Allez, ça dégage. Le public se moque de toi. Le public se moque de toi, mec. Là, tu vois, c'est pas la question pour un gros con, c'est une question pour un gros branleur. Allez, c'est parti. Alors, non, maintenant, là, c'est le duel entre Mirage. Mirage, à toi de répondre. XNXX, lol. Bien, ok. Kevas. YouPorn. On l'a pas déjà dit ou pas? Non. Invité, non. Mirage, pardon. Mirage. 5, 4. 3, 2... X vidéo. Ouais, j'ai été lent en plus. Hein. Kevas? Ouais. Brazzer. Oh, putain, il s'y connaît, Kevas. Mirage. 5, 4, 3, 2... Notaku. Ça te dit, ça? Ah, je connais même pas. Kevas, à toi? Roll 34. Putain, mais tu connais tout, Kevas. Mirage. 5... Reddit. Putain, non, mais... Non. Reddit, c'est... Reddit, ça marche-tu? Bah non. Non, Reddit, ouais, ça marche Reddit. Pas. Mais... Reddit, il y a du contenu pornographique, mais c'est quand même une grande échelle. C'est pas un site pornographique. Salaud. Voilà, c'est pas leur thème, donc... Non, c'est faux, c'est Kevas qui remporte le point. Bravo à Kevas. Ouais. Espèce de gros cochon, va. Cochon. On voit lesquels se paluchent chez l'autre. Ah, les cochons. J'ai beaucoup d'expérience sur le domaine. Ah, les cochons des... Vous voulez que je mette un lien pour la démonstration? Non, Ryan, non. Non. Non, comme les 12 coups de midi, en gros. Ouais, c'est ça, ouais, c'était la même règle, en effet. Et en effet, sur le chat, ah oui, on vous confirme... Michel, non, c'est RedTube. Mais oui, Jackie Michel, bien sûr, tu kiffes. X-Hamster aussi. Hein. Dorian, X-Hamster, Dorian. On l'avait même pas Dorian. Dit. Attends. Dorian, rappelle-nous ton âge, s'il te plaît. Ouais, quand même, ouais. Attention. Merci, qui attention, j'aurais pu tout gagner sur cette question, Ryan. Ok, on passe à la question suivante. Non. Bah, tant pis, on y passe quand même. Alors, Kevas, t'as 4 points, toi. Tu prends la tête. Je suis un professionnel. Question... J'en ai toujours 2. Oui, Mirage, t'as toujours 2 points, toi, pour le coup. Question géographie. Avant, je dis bien attention, c'est très précis. Avant le regroupement des régions en France, combien de régions il y avait? Je ne sais rien, moi je suis pas français, mec. Kevas. Kevas, ouais. 5. Non, alors bah allez-y, répondez les autres. Mais t'es pas trois plombes non plus, cherchez pas sur Google. Mirage. Je dirais une petite douzaine, je crois. C'est pas ça, invité. Personne là dans le chat. Non, personne là. J'ai peut-être une idée. Hein. Bah, invité, de toute façon, il reste invité. Invité. Allez, invité. Allez, invité, allez, allez, cinq, allez. 4, 3, 2, 1, 18. Trop tard. Et non, c'était 22 régions. Il y avait exactement 22 régions. Ryan n'était pas loin avec 24. Ouais, Ryan 24. C'était le plus près, c'était le plus près. En tout cas, on sait que Kevas... Moi, je n'étais même pas au courant. Hein. En tout cas, on sait que Kevas n'a pas que des relations avec Marion, MDR, dit Ryan. Cela ne nous regarde pas. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Non, il n'y avait pas les... Attends, Dorian, c'était quoi? Tu comptes les Outre-mer? Non, c'était... c'était sur le territoire français, bien entendu. Donc, personne ne marque de point. La métropole, voilà. Alors, attention. La prochaine question, c'est une question de logique. Écoutez bien la question. J'ai connu une fille de la moitié de mon âge quand j'avais 12 ans. Maintenant, j'ai 64 ans. Quel âge a-t-elle? Invité. 58. Bien. Bravo, il n'est pas tombé dans le piège. Elle n'était pas facile, celle-là. Elle était putain, vraiment mais j'aurais pas facile. Dû dire... En fait, j'aurais dû dire mon pseudo et après calculer. Ah bah, t'as 5 secondes, hein. T'as 5 secondes pour le coup. Allez, préparez-vous pour la prochaine question. Question dessin animé. Quels sont les prénoms des Dalton? Ouah, le vent.
comment dire? Plus Lucky Luke. Bah, ouais, mais, okay. Mais répondez, je sais pas, tentez. Ah, s'ils connaissent pas. Ah, il l'a, Mathieu et les a. Ouais, Mathieu et les a, mais regardez pas sur le chat. Après, Non, mais Mirage, va pas chercher sur Google Maps. Hein. Bon, c'est mort, les 5 secondes sont passées là. Alors, en effet, Mirage. Il y a Joe, forcément, mais après, l'abruti. Comment il s'appelle l'abruti? Ils les ont dans le chat. Avrel, en effet, et les deux autres, alors il y avait Joe, Avrel, Jack et William. On peut faire William. Est-ce qu'on peut faire une réclame? Une quoi? Une pause de réclame. En fait, tu cherchais des noms qui sortaient de l'ordinaire, mais non. Une pause de réclame? Bah oui, il y a le chien qui est dehors. En fait. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, pause de réclame. Alors, j'en profite pour vous annoncer que ce live est sponsorisé par Geekabrac avec le code promo Vinca. C'est eux qui sponsorisent tout ça. Non, c'est faux, c'est archi faux. Bon. Donc, un petit point sur les points pendant que Lolita va ouvrir au chien les aléas du live. Invité, 4 points. Kevas, 4 points. Et Mirage, 2 points. Quelle corde. Ça date, Dalton. Bah, ça date. La pause, donc je vais boire un coup. Ah bah dépêche-toi, la pause elle est finie là. Je l'avais sans copier. Voilà, dit Ryan. Aussi, parce qu'on crève de chaud ici. Bah nous aussi, on a chaud. Puis avec ma veste, j'ai méga chaud en fait. Ah, c'est bon. Chaud. Ouais, bah nous il fait chaud. Hein, Oh, dégueulasse. Oh, dégueu. Ah, puis il y en a un qui applaudit en plus. Ah, dégueu. Je suis de retour. Bon. J'attends la régie. Elle est en train d'ouvrir la fenêtre parce qu'on crève de chaud, nous. Le studio, là, sur studio de... Question pour un grand con. Il fait très chaud, il fait bon, c'est question pour un grand con. De la pub publicitaire. Ouais. On veut de la pause publicitaire. Allez, on reprend. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non. Ouais, comme d'habitude. Il y en a qui est prêt, il y a que moi. Nouvelle question, Hunger Games. Attention. Ah, citez-moi chacun votre tour. Un service et non un site de streaming. Invité. Invité. Un service de quoi? Mais de streaming. 5, 4... YouTube. Non, un site. On a dit pas de site. Ah, putain. T'as été trop vite. Après, c'est... Allez, Mirage. Ouais, Mirage. Netflix. Attends. Oui, Netflix. Oui. À toi, Kevas. Prime. Ouais, Prime. Amazon Prime, ouais, très bien. Mirage. 5, 4. Ah, c'est à moi, pardon. 3. Wakanim. 2. C'est quoi ça? C'est un service? C'est un truc pour voir des animés. C'est un service ou c'est un site internet? Non, c'est un service. D'accord, ok. Kevas. Disney Plus. Bah, oui. Bien sûr, Disney Plus. Allez, faut être plus rapide. Mirage, faut être rapide. Canal Plus. Canal Plus, c'est pas du streaming, mais non, carrément pas. J'avais pas d'idée, non. Honnêtement, j'avais plus d'idée. Canal VOD. Oh là là, Canal VOD, par exemple, c'est vrai. Bah oui, c'est Canal VOD, c'est un service de streaming. Ouais, mais Kevas prend l'avance, hein. 5. Ouais, 5 points, il est à 2 points de la victoire. Ça marche. Netflix, Molotov, mais oui, Webtoon, Salto. Mais oui, Salto, oui, bien sûr. OCS. Mais il y en avait plein. HBO, ils en ont un aussi, non? Et il me semble que HBO, ils en ont un aussi. Oui. OBS aussi. OBS? Il me semble. OBS? OBS, c'est un logiciel, peut-être, OBS. Oh là là, mais tout le monde se moque de toi, t'aurais pas dû dire ça. C'est vrai que Apple TV est sorti aussi. Apple TV, mais oui, c'est vrai. Apple TV, c'est clair. Allez, prochaine question. Et bah finalement, ce sera pas une question, ce sera une charade. Attention, vous êtes prêts pour la charade? Non. Tant mieux. Mon premier se trouve dans la gueule du loup. Mon deuxième se passe avant le permis. Mon troisième est au milieu de la mer. Mon tout vit dans les fleuves d'Amazonie. Kevas. Tic tac. Oui, Kevas. Un crocodile. Oui. Oh bah on peut l'applaudir là. On peut l'applaudir. C'était très beau là. Franchement, il a été très rapide pour le Allez, coup. Allez, Fouras, tu décomposes. Alors en effet, il je. Kevas, il est à 6 points. C'est ça, voici. Ouais, points. Il sera pas le grand compensant. Alors en effet, mon premier se trouve dans la gueule du loup, bien sûr, le croc. Mon deuxième se passe avant le permis. Qu'est-ce qu'on passe avant le permis? C'est le code.
Mon troisième est au milieu de la mer, une île. Ça fait crocodile. Et mon tout vit dans la fleuve d'Amazonie. Il y a eu piranha. J'étais à 3000 km. Piranha. Plus haut, remonte. Plus haut, il y avait... Non, après, c'était YouPorn, machin, tout en retard, etc. Bon, nickel, on est bon. Ouais, d'accord. Donc, Kevas, t'es pas loin de la victoire. Tu n'es pas loin de la victoire. Ouais. Ah oui, Dorian, il avait Langasses Forêt. C'est pas tout à fait ça. Au milieu de la mer, une forêt. Mais vous fumez, monsieur. Alors, attention, la prochaine question, c'est de la rapidité parce qu'elle est très facile. Ouais, je te laisse inviter ça. Évite de regarder trop le prompteur. Allô. Évite de trop regarder quoi ? Le prompteur. Mais il est en face de moi, tout va bien. Non, mais alors, j'ai pas de prompteur, j'ai juste l'écran du PC pour moi, avec Discord. Question. Même moi. Géographie. Ligne imaginaire tracée autour de la Terre, la séparant en deux parties égales, de quoi s'agit... Oui, invité ? L'équateur. Correct ! C'est bien ! Très bien, c'est en effet l'équateur. Très bien. Je t'avais dit que c'était pour inviter l'élection rapide. C'est vrai. C'était quoi le bip qu'on a entendu là ? Je sais pas. Il y a un bug dans la régie ? Les studios ? Allô les studios ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quelle caméra ? Ça doit être cette caméra-là, elle a dû bugger, je sais pas. Il a dû avoir un problème. Non, c'est moi. Oui, je sais, je me doutais bien. Allez, prochaine question. Oui, bien sûr, bip. Ah, Mathieu, il s'est loupé. Hein. Mathieu, il a dit quoi ? L'hémisphère. Mais non, pas l'hémisphère, bien sûr que non. Mais non. Je l'avais depuis les Londres, premiers mots de la question. C'est vrai qu'en fait, si on ne prenait pas en compte la ligne, que tu avais dit, c'est pareil, les parties égales, On pouvait deviner à partir de là. Ouais. C'est vrai qu'on pouvait deviner. Allez, prochaine question. On aurait pu dire le méridien de Greenwich aussi. Ah oui, mais alors là, monsieur, il essaye de faire celui cultivé, franchement, mais c'est pas ça. En fait, c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça du tout. Mais j'en fous, le point, là, il est pas compté. Oui, on s'en fout, t'inquiète pas. Allez, prochaine question. Question corps humain. Oula. Citez-moi le nom des 5 doigts de la main. Invité. Pouce. Oui. Majeur. Oui. Index. Oui. Annulaire, auriculaire. Bien. Je suis sûr, il a regardé ses doigts. Bravo. Mais invité, il a combien de points là ? Attends, par contre, il l'a dit dans le désordre, il a dit pouce, majeur. Oui, index. Oui. Ouais, je me suis dit, ouais, il va se planter, mais non. Elle coupe la terre en deux moitiés. J'ai vu que quelqu'un m'avait posé une question. Le doigt d'honneur. C'est quoi la ref de ta cam ? Mais non, c'était rien. Ah d'accord, non, c'est rien. C'était juste pour montrer aussi qu'il y avait la deuxième caméra qu'on sert pas du tout aujourd'hui. Majeur, pouce. Le doigt d'honneur, il a dit deux fois, en fait. Après, je sais pas. Il est deux trucs qui servent à rien en bas, là. Le doigt d'honneur, en fait, par sa doigt. Le mineur, index, pouce, majeur, mineur et auriculaire. Non, c'est pas ça. La bonne réponse était en effet, comme invité l'a dit, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Et je peux vous les montrer. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Voilà. Ouais, il a repris. Un petit point. Sur les scores. Bah justement un petit point, oui, c'est ce que je voulais faire. Non. Invité, combien de points ? 6. 6 points. Keva, 6 points. Mirage, 2 points. j'ai le droit de faire un Alt-F4 de ma ville tout de suite là. Non mais alors, Mirage, pour tes 2 points, je pense que pour tes 2 points, tu mérites amplement le... Bip, bip. Ouais. En fait, Charlie, il a bien fait de le prendre. Oui, bah oui, c'est clair, oui. Je sens qu'il va être grand con. Alors... Allez, Mirage, refais-toi, mec. Allez, prochaine question. J'ai une question. Oui. Quand y en a un des deux là qui va avoir 7 points. Bah, c'est le duel final. Oui, est-ce que le duel final il retourne à 0 ? Non, il garde ses points. Bah non, ce serait mieux. Ah ouais, mais non, ce sera trop long. Cool les questions. Ah oui, mais invité, lui manque un point. Bah oui, je sais, mais c'est à Mirage de rattraper. Hein. Oui, Kevas aussi. Eh, Mirage, sérieux, tente. Hein. Réponds direct et tente. Arrête. Alors, question... Ouais, t'es obligé de dire Mirage maintenant, t'es obligé. Question. Dieu. Vous pouvez m'appeler Dieu. Les dieux. Les dieux. Mars est un dieu de quelle mythologie ? Kevas ? La mythologie romaine. Oui ! On a notre champion ! Il sera pas élu grand con ! Bravo Kevas ! Mirage, on t'a dit de dire Mirage ! Mais oui, mais il est pas sur le coup, Mirage. Il est fatigué, Mirage, il est fatigué. Greg, moi, j'avais pas.
Ah, tu l'avais pas. Bon bah du coup, ça va. En fait, tous les noms de planètes qu'on a aujourd'hui viennent de la mythologie romaine. Tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il est cultivé ? Qu'est-ce qu'il est cultivé ? Non, il a juste téléchargé tout le wiki avant de venir. Attention, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Allez, ciao, bande de noob. On est à la finale. On a invité 6 points. 6 points. Mirage, 2 points. Mirage, il va falloir que tu dises ton prénom, même si tu sais pas. La tension est à son comble. Il s'appelle pas Mirage. Son prénom, c'est pas Mirage. Oh, hein. C'est son pseudo. Oui, hein, ce soir, il s'appelle Mirage. Ah bon, prénom, puisque c'est un Mirage. Alors. Kevas, bonjour. Bonjour, Kevas. il parle sur le chat. Il est arrivé dans le chat. Alors, attention, mesdames et messieurs. Question pour, du coup, Mirage et invité. Attention, Mirage. Une question geek. Qu'est-ce qu'un MMO ? Mirage. Les gars, sérieux. Mirage. Massivement online. J'ai envie de l'accepter quand même. Putain, non, en fait. J'ai envie de l'accepter quand même. Bah non, mais on demande pas ça. Juste, il a dit c'est massivement online. C'est massivement online. Je valide, je suis impartial. Ah, valide, la régie valide. Donc du coup, en effet, en plus, invité l'avait pas. Parce que j'avais le terme complet, mais je m'en souviens plus. Alors en effet, c'est un jeu en ligne massivement multijoueur. Lolita, dis-le en anglais. Massively multiplayer online. Voilà, massively multiplayer online. On a pas demandé le sigle, on a demandé. Arrête. Il a dit, je fais massivement online. Non, mais t'es à 3 points, mec. La remontada, elle est maintenant, mec. Elle est maintenant. Je prends, moi. Sur le chat, ils sont très forts. Par contre, je vous dis tout de suite, la prochaine, il va falloir être très rapide. Ouais, la prochaine, et Mira, je réponds direct, hein, sérieux. Hein, direct. Sinon, invité, il gagne. Hein. Question super-héros. Oh, merde. Quel héros provient de la ville de Gotham City ? Mirage. Batman. Oui, mais il est en train de remonter. Non, mais t'as dit go, j'ai compris tout de suite d'où ça venait. Ah bah voilà, tu vois. Hey, 4 à 6. Invité, c'est endormi. Et pour la prochaine question, il s'agit d'une charade. Oh merde. Courage, les mecs, courage. Courage à Mirage. Écoutez bien. Bien joué sur le chat, bien joué. Et oui, monsieur, la remontada, mais oui. Question charade, du coup. Mon premier est le contraire de tard. Mon second est le contraire de lait. Mon troisième est ce qu'on enfile quand on a froid aux mains. Mon tout est un jeu... Kevas. Mais non, va-t'en. Ah, merde. Mon tout est un jeu d'extérieur pour les enfants. Allez, les gars. J'ai pas entendu à cause de Kevas qui a foutu la Mon tout est un jeu d'extérieur pour les enfants. Je répète, vous pouvez m'interrompre. Mon premier est le contraire de tard. Mon second est le contraire de lait. Mon troisième est ce qu'on enfile. Invité. Toboggan. Ouais. Oui. Ouais, mais oui. Et du coup, invité arrive à 7 points. On a notre grand coup. Ils avaient passé les 5 secondes. Ouais, fini. Bah oui, mais bon, allez. On a notre grand con. Bravo. Bravo à Mirage. Je voudrais juste savoir un truc. Tu es. Bah attends, déjà. On applaudit. On peut quand même te féliciter. Tu as le titre de grand con. Tes premières impressions. Ouais, je suis. Alors, on a fait sur le chat si t'avais trouvé. Je vais venir défendre mon titre de grand. Donc en effet, alors qu'est-ce que vous voulez dire ? J'avais entendu des petites réactions, vas-y. Vas-y, dis du coup, dis les réponses de la charade. Ah bah oui, vas-y. Alors les questions de la charade. Mon premier est le contraire de tôt. De tard, pardon. Bah tôt. Mon second est le contraire de lait. Beau. Merci Aurélie. Un peu en retard pour le coup. Mon troisième est ce qu'on enfile quand on a froid aux mains, les gants, ça fait toboggan. Et mon tout est un jeu d'extérieur pour les enfants. Sans déconner. Alors du coup, je me note, on sera arrêté à la... Parce que j'ai d'autres questions pour la suite, voilà. Bah bravo. En tout cas, un gros bravo à Mirage, qui est notre premier grand con officiel du serveur et de la chaîne. T'as été gentil, parce que moi, j'étais l'arbitre officiel, Mirage, j'aurais pas accepté ça. Ah, t'aurais Mirage. Pas accepté. Bah non, j'étais l'arbitre, il paraît. Hein. Bon, c'est bon, de toute façon, il avait un peu de retard pour le coup. Il aurait pu se rattraper. Il aurait pu se rattraper, hein.
Est-ce que, attends, on peut faire à la rigueur une question bonus pour Mirage? Allez, pour tu te rattrapes, mec. Pour pas que tu... pour pas que... Allez, pour tu te rattrapes, mec, on te fait une question bonus juste pour toi. Mais t'es grand d'accord con, quand même, t'inquiète pas. Mais tu restes grand con, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, dans tous les cas, oui, je m'en doute. Est-ce que tu es prêt? Non. C'est pas grave, on va la poser quand même. Elle est pas belle en plus. Question grammaire. Conjugue-moi au passé simple le verbe pouvoir à la première personne du singulier. Vas-y. Je pue. T'as dit quoi? Je pue. On est content de le savoir. Bravo, invité. Hey, bravo, Mirage. Mais en tout cas, un gros félicitations à toi d'être notre premier grand con. On est très fiers quand même. On est très très fiers que tu sois notre grand con. Sérieusement. Et il faudra que tu reviennes. T'es vraiment un sale petit con. Hein. Regarde Mathieu. Et Mathieu. Oh, le petit troll de fin. Et oui, il était bien placé celui-là. Bah, la question arrivait pile poil en fait. C'était la prochaine. Oui. Voilà. D'accord, merci, c'est gentil. Caca. C'est juste pour un point de repère pour moi. Ah, chut, mais chut, faut pas le dire, c'est les secrets du tournage. Alors, réaction à chaud. Invité, qu'est-ce que t'as pensé de ce principe d'émission? J'ai adoré, je me suis bien marré. Ah, excellent. Kevas, qu'est-ce que t'en as pensé? Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, vous étiez là, monsieur. Qu'est-ce que tu en as pensé, Kevas? Là, franchement, c'est sympa. Ah, nice, impeccable. Et bah, la réponse quand même pour notre grand con. Mirage, qu'est-ce que t'en as pensé? En vrai, c'était giga fun. Je me suis fait la tête à la tronche, mais c'était giga fun. Très bien, c'est nul la coaster. Bon, on s'en fout que c'est nul. Si t'aimes pas, tu t'en vas, voilà, bon, tout simplement. La prochaine fois que je reviens, je prends des monsters, je serai un peu plus énervé. En effet, la prochaine émission, je pense qu'elle sera dans 2 semaines. On va peut-être en faire une avant, je vais voir. Mais il faudra que je m'arrange avec Mirage. On a déjà nos participants pour la prochaine. Ouais. Ah non, mais t'inquiète pas. 2 semaines, je peux venir. D'accord. Ça sera peut-être la semaine prochaine. Si je suis chaud, c'est la semaine prochaine. Mais C'est pour ceux qui n'ont pas pu participer, qui avaient... Voilà. Oh, il est intelligent, c'est un... Voilà, oh, il est fort. Il est quand même très fort. Il faut l'applaudir, il est fort. Hein. Il est très fort, il est très très fort. Mais en effet, pour la prochaine fois, bah, du coup, ce sera Aurélie et Ryan. Ouais. Donc t'as déjà tes adversaires, yes. Mirage. Ouais. Ce serait bien que vous me fassiez des questions. Après ce live, je crois en moi. J'ai une énorme confiance en moi. Ouais. Ce serait bien que vous fassiez des questions sur appel d'urgence et des situations d'urgence. Quoi faire? GG. À vous. Vous êtes des amours. Ah bah c'est gentil, c'est gentil. En vrai, ce qui serait fun, c'est des questions aux jeux vidéo. Eh ben, on pourra en faire. D'ailleurs, j'en profite, je fais un petit message. Bah, on pourra faire des émissions spéciales. Alors justement, je fais un petit message sur le chat et ainsi qu'aux 2 participants qui ont gagné Invité et Kevas. Vous avez droit de m'envoyer des questions qu'on posera dans la prochaine émission. Mon gars, ça va être salé, hein. Moi, pas ça, ça va être la question de Master. Hein. Non, mais attention, pas trop dire, pas trop dire. Bah, par exemple, Mathieu, tu vois, c'est une bonne question, ça, ouais. Voilà. Bon, maintenant, tout le monde la sait. Mais vous me les envoyez en privé sur Discord ou ce que vous voulez. On s'arrangera avec toi, Aurélie, t'inquiète pas. Tout dépend comment je bosse. Oui, on s'arrangera, il n'y a pas de souci, on va s'organiser. Il y a Mathieu qui a déjà mis une question que veut dire PLS. Ouais, voilà, mais comme tout le monde l'a vu, bon, du coup, voilà. Vous pourrez envoyer soit à moi, soit à Kevin. Voilà, vous pourrez nous envoyer les questions, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, pour la semaine prochaine ou pour dans 2 semaines, il y aura même des questions Star Wars. On n'est pas arrivé jusque là. Kevas, il aurait été content. Ah bon, Star Wars, ah bon, oui. Il y a une question Star Wars, ah, juste là. La merde. Ah oui. Heureusement que je suis pas là. Non, mais, les gars, j'ai gagné. Hein. Ouais, bravo. J'arrive, j'aurais gagné. Donc, bon, bravo à vous. Bravo aux participants, franchement. Bravo à notre grand con d'honneur qui repart avec le titre suprême. Ouais. Tu as le... Il l'a déjà. Hein. Il l'a déjà sur le Discord. Il a son statut. Il a son statut de grand con. Vous pouvez charrier sans être trop méchant. Elle osère, Mathieu. Mathieu, il était pas là déjà? Mais si. Général. Ah oui, d'accord, oui. Il me troll. C'est une référence à Star Wars, trop de balle. Bah oui. Oui, bah oui, non, oui. Oh, bah excusez-moi. Oh, c'est bon. Regarde, oh. Écoute tes oreilles. Vas-y. Hello there. Ah, yes. Regarde. Ouais, ça y est. Il a. Bah, tu peux montrer à la caméra. Bah, il a si le titre de grand con. Ah, est-ce que ça va se voir? On te voit. Ben non, mais c'est... non, mais regarde, Lolita, il faut faire les choses intelligemment. Il faut faire les choses intelligemment. Lolita, si vous voulez voir le titre de notre ami Mirage, non, il faut rejoindre le Discord, voyons. Mais oui, voilà, exactement. Vous rejoignez le Discord et vous l'avez.
Exactement, et regardez, je peux vous le montrer en direct en plus, parce que c'est vrai que j'avais tout prévu, mine de rien. Tac, attends, je vais aller sur le Discord vite fait. Voilà. J'adore le cerveau que t'as mis à côté, Kevas. Il a très travaillé son cerveau. Regardez, voilà, on peut le voir, il est juste là, le grand con en titre, Mirage. C'est très beau, Mirage. Il a la même couleur magnifique que les robots, c'est-à-dire qu'il est aussi con que les robots. Bon. J'adore trop, après pour le, quand il va changer de rôle, quand il va marquer, ça va être ancien grand con. Et oui, il y aura ancien grand con. Cache Kevin, oui, t'as raison. J'ai, ouais, un mirage. J'ai une idée. Oui, vas-y. Si je suis grand con la prochaine fois, vous mettez énorme con. on pourra faire des évolutions de statut aussi, pourquoi pas. Ah oui, on enchaînera un peu plus de victoires quand même. Apparemment, tu veux le garder ton titre, d'après ce que j'ai compris. Ils vont faire exprès. Ah. Vu ma culture G, je doute que j'arrive à m'en séparer. Mais si, on a confiance en toi, on a confiance en toi. Du coup, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de question pour un grand con avec notre grand con d'honneur, Mirage. Un grand merci à Kevas, à invité, d'avoir participé à ce jeu. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Un petit mot de la fin, messieurs, Kevas. Bonjour. C'est un beau petit mot de la fin. Invité. Au revoir. Au revoir. Et notre grand con, Mirage. Je suis le grand con de l'histoire. Ouais, magnifique, ouais. Je vous en remercie. Vous nous laissez, vous avez pas prévu un jeu? Non, on s'arrête là, c'est vraiment un tout petit live qui va être en rediff. Il dure 50 minutes et il sera en rediffusion sur YouTube. Il y aura une playlist spéciale Grand Con. Comme vous aimez bien ce principe-là, on en refera. Lolita, petit mot de la fin, je t'ai pas demandé. Bisous. Bisous, tout à fait, bisous. Et merci à Pixie23 de nous suivre pour la fin. Merci de follow la chaîne. Que la force soit avec toi, mon ami, bien sûr. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'enlever cette veste parce que j'ai méga chaud. Encore une fois, si je précise quand même, si les gens de cette radio passent sur le live ou sur la rediff, s'il vous plaît, ne vous en voulez pas d'avoir copié votre principe, mais on s'est bien éclaté, franchement, c'était très très cool. 15 personnes. Oh non, t'aurais dû le rendre notifiable, c'est pas drôle. J'aurais dû rendre le notifiable, c'est-à-dire le rôle. Parce que tout le monde peut me notifier, grand con. Ah bah oui. Le but, c'est de pas trop te charrier non plus. Ah non, mais moi, je m'en fous, je trouve ça drôle. Allez, des bisous, les cons. C'est le mot de la fin. Merci, Kevas, merci à tous. On vous souhaite, bien entendu, une très bonne soirée. On se dit à très très vite pour un futur Question pour un grand con. C'était Linka et toute la team. Ciao. Ciao. Bye. Salut tout le monde. Bella ciao. Vive la République.